Il faut qu'il y ait quelque chose à filmer, quoi. Après, c'est pas non plus évident. Déjà, des gens, des fois, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Une requête. Allez, vous voulez les maracas? Il y a deux jours par an. Parfois, il fallait un peu fouiller, mais il y avait forcément de quoi trouver son bonheur ce dimanche matin dans la rue Léon Lehmann. L'amicale des sapeurs-pompiers des Deux Ferrettes y organisait son traditionnel vide-grenier sous un beau soleil estival. De quoi dénicher la fameuse perle rare, ou au moins mettre la main sur une bonne occasion. Mais fouiller sur les étals, ça creuse. Heureusement, la camionnette de glace n'est jamais bien loin. Et ça fait partie du folklore, les adeptes de la négociation et du marchandage essayent toujours d'avoir le dernier mot face au vendeur. Non mais moi j'ai dit ma base, c'est tout, moi j'avais dit 60, je veux 60. Non, 123, ouais. Alors j'achète. J'ai fait une affaire. Sur leur chemin, les visiteurs attentifs ont pu tomber sur certains stands particulièrement bien fournis. Alors vous, madame, vous avez pas mal de vêtements, je crois. Hein. Oui, mais on a aussi des belles chaussures. Ah bon, vous me montrez? Oui, venez. Voilà notre stand de chaussures. Ah oui, effectivement. Chez les organisateurs, on dresse naturellement un bilan positif de cette édition. Alors on a une soixantaine de stands qui viennent un peu de partout, de Tannes, de Mulhouse. Franchement dit, je suis content de cette journée. Donc avec le bénéfice, on achètera un peu de matériel, de pont-secours. On participe justement pour le véhicule d'intervention que le CIVOM a acheté. On fait une participation dessus. Quoi. Pour l'an prochain, les pompiers espèrent que le soleil sera à nouveau de la partie. Et la bonne humeur, elle suivra d'elle-même.